D'abord, féliciter le secrétaire général pour cette initiative. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première des choses, c'est commencer par l'identification. C'est ça le travail de base, le travail d'organisation, par identifier qui est qui fait quoi. Et puis tout le reste va s'embrancher. Il y aura la mise en place d'une vision qu'il a commencé déjà au travers de toutes ces rencontres qu'il a faites, de tout ce diagnostic qu'il est en train de poser. Je pense que demain, il faudra compter avec ce grand parti, qui va être un grand parti mobilisateur et qui fera demain que nous allons construire un parti fort partout en République démocratique du Congo. Mais lui, il est là comme le capitaine, celui qui va tracer la direction et tout le monde va suivre. Certainement que dans un parti, il n'y a pas qu'une personne, il y a tous les membres. Et il y a des membres qui sont visibles, il y a des membres de conviction que vous ne verrez peut-être pas, mais il y a d'autres membres qui sont au four et au moulin, donc... Je pense que le secrétaire général mérite quand même qu'on l'accompagne dans cette mission qui est extrêmement importante. Et à mon avis, moi, je suis convaincu de l'action qui va être faite.